Précédemment dans Le destin d'une sœur, Anna s'est confiée à Elsa sur le fait qu'elle ressentait en elle des pouvoirs magiques et qu'elle était bien décidée à développer ce don comme leur arrière-arrière-arrière-grand-mère. Quand le sujet était abordé, cela causait beaucoup de tensions entre les deux sœurs. Ce n'était pas prévu, mais malheureusement, nous allons là, ici, assister à une tragédie. Elle appela son amie Dominique et elle lui expliqua qu'elle avait envie de développer ses pouvoirs afin de ressusciter Elsa. Dominique lui conseilla de se rendre dans les îles paradisiaques. « Je vais appeler les esprits, ils pourront te confirmer si oui ou non tu as un don de magie en toi. » Ce fut une réussite, les esprits approuvèrent, Anna avait bien un don de magie en elle. Prochaine mission, devenir une sorcière. D'après vous, Anna va-t-elle réussir ? Il n'y avait plus de temps à perdre. Anna se mit à étudier la magie. Elle commença par chercher la formule pour invoquer le fantôme d'Elsa. Elle avait soif d'apprendre. Elle passait toutes ses journées à lire et lorsqu'elle finissait un bouquin, elle en commençait un autre. La bibliothèque de Strangerville était devenue sa deuxième maison. Un jour, elle y rencontra un jeune homme mystérieux. Il avait l'air passionné de magie et il en parlait avec une grande sagesse. Il était captivant. Malheureusement, il s'en alla avant même qu'Anna ait eu le temps de lui demander son prénom. Et puis un jour, Anna fut prête. Il était temps d'invoquer le fantôme d'Elsa. It's too late. Have an orphanage. Let him in. Quel bonheur pour les deux sœurs de pouvoir enfin se reparler. Même si Elsa n'est qu'un fantôme, c'est un grand pas vers son retour. Anna lui expliqua son projet de la ramener à la vie et Elsa en fut plus que touchée. Mais attention Elsa, soyons discrètes. Je ne pense pas que les habitants du quartier aient envie de se retrouver en face d'un fantôme. D'ailleurs, quelques jours plus tard, lors d'une soirée aux ruines, Anna en eut la confirmation. Les habitants du quartier étaient déjà au courant et ils exprimèrent leur mécontentement. Anna, très remontée, se défendit et leur expliqua qu'il n'y avait rien à craindre et qu'Elsa ne viendrait pas les embêter. Heureusement, la pluie s'arrêta et l'ambiance s'améliora aussi. Et du coup, la soirée dura jusqu'au petit matin. Mais je rêve. Elsa, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pourtant dit de rester discrète. Ce n'est pas parce que je suis un fantôme que je n'ai pas le droit de m'amuser. Bla bla bla. Et pourtant, il va falloir faire des efforts. Je te promets de devenir sorcière au plus vite et de te ramener à la vie. Une jeune femme s'approcha et se mêla à la conversation. Bonjour, je m'appelle Elphaba et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Ramener un fantôme à la vie n'est pas une tâche facile. Anna sympathisa avec Elphaba et découvrit qu'elle était une jeteuse de sorts. Elphaba la mit en garde. Elle lui expliqua que les livres n'étaient pas suffisants pour pouvoir pratiquer de la magie et qu'il fallait se rendre au monde magique pour bénéficier des meilleures formations. Waouh, un monde magique? Peut-on en discuter plus en détail? Elles s'échangèrent leurs numéros de téléphone et se donnèrent rendez-vous ce soir à minuit au bar de Glimmerbrook. En rentrant, Anna expliqua donc à Elsa qu'elle allait se rendre à Glimmerbrook ce soir, la ville où se trouve le monde magique. « Très bien, lui dit Elsa, mais fais attention à toi, et surtout repose-toi un petit peu, tu ne dors pas beaucoup en ce moment. » Anna n'avait pas le temps de dormir, elle partit quelques heures après pour Glimmerbrook. Elle se rendit chez la famille Charme, qui était propriétaire de la bibliothèque du quartier. Et ils étaient également une famille de jeteurs de sorts. Il n'y avait pas de temps à perdre, alors en attendant minuit, Anna lut et dévora des dizaines de livres. Et oui,
la fatigue commence à se ressentir. Minuit arrive enfin. Bienvenue au bar des sorciers, lui dit Elphaba. C'est à cet endroit que nous nous retrouvons la plupart du temps pour discuter magie. Ici, tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Mais attendez, ce serait pas le garçon mystérieux de la bibliothèque ? Cette fois-ci, il fallait vraiment qu'Anna lui demande son prénom pour pouvoir le retrouver, garder contact. Et du coup, elle apprend que ce jeune homme s'appelle Morjin Hember. Waouh, quel nom mystérieux. Du coup, ils commencent un petit peu à discuter. Hé, mais c'est pas facile de parler avec toi. Tu disparais en un clin d'œil. J'aime garder mon côté mystérieux. Tiens donc, Morjin, ça tombe super bien que tu sois là. Je vois que tu connais déjà Anna. Elle doit se rendre au monde magique pour devenir jeteuse de sorts. Et comme toi, tu es un excellent élément, j'ai pensé que vous pourriez y aller tous les deux et faire des formations ensemble. Et Morjin accepta, c'est carrément génial. Anna était toute excitée et elle remercia infiniment Elphaba pour ce coup de pouce. Et attention Anna, tu es là pour faire de la magie, on reste concentré sur le travail. C'est le jour J. Anna s'est faite toute belle pour son rendez-vous, pour sa formation avec Morjin. Elsa lui a quand même dit que la tenue était un peu osée quand même. Hein. Mais non, pas du tout, lui dit Anna. J'ai du noir, des étoiles. Je suis dans le thème des jeteurs de sorts. Quand Morjin arriva, il confirma que la tenue n'allait pas du tout. Déjà, il fait froid, et pour aller dans le monde magique, il faut une tenue où on est à l'aise. Ah, mais je suis tout à fait à l'aise. Parfaitement prête pour le monde magique, je t'assure. Fais-moi confiance, tu vas galérer. Bon, d'accord, je vais me changer. Et comme ça, qu'est-ce que tu en dis? Ça te va? Parfait, lui dit Morjin, en route pour l'aventure. Même Elsa adora la tenue. C'est l'heure de se dire au revoir et de partir pour cette superbe et magique aventure. Bien arrivé à Glimmerbrook, il est temps maintenant d'aller dans le monde magique. Les voilà enfin devant le portail du monde magique. C'est Anna qui va le franchir la première. Morjin la suivra. Bienvenue dans le monde magique. Tu y découvriras les pouvoirs les plus puissants. Y rencontrera les meilleurs jeteurs de sorts. Tu parleras et apprendras avec les sages. Tu assisteras au meilleur duel de sorciers. Les sages te donneront la vision des particules magiques. Trouve-les et ramène-les à un sage. Et il te transmettra le pouvoir de jeter des sorts. Your palace, Yomam Batu. Come on! Ils te transmettront leur savoir et te formeront avec les plus grands. Sans plus attendre.
s'étendre, Anna demanda une formation privée avec le grand sage de la magie indomptée. C'est grâce à cette magie qu'on peut ramener des fantômes à la vie. Mordjin lui donna aussi quelques conseils. Il faut dire aussi qu'il est vraiment très fort. C'est un virtuose dans ce domaine, donc il a atteint un niveau d'excellence. Super Anna, pas mal pour une première journée. Anna était ravie, vraiment. Il faut dire qu'ils s'entendent pas trop mal tous les deux. Et des fois, on se demande même s'il n'y a pas quelque chose de plus. C'est vrai, après tout, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Et il faut dire qu'Anna était quand même fascinée devant les performances de Mordjin. Ah, nous avons un petit rapprochement. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe dans leur tête actuellement. On reste concentrés, les enfants. Formation, formation, formation. Ce fut une superbe journée. Il est temps de rentrer à Glimmerbrook. Ouais, c'était sympa. Et ce serait bien de remettre ça un peu plus souvent. De retour à Glimmerbrook, les deux étaient vraiment super contents et ils n'ont pas arrêté de parler encore et encore, comme s'ils n'avaient pas envie de se quitter en fait. Ben voilà, de retour à la maison, il est temps de se dire au revoir. Oh, ils sont trop mignons. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai l'impression que les deux vont se revoir très bientôt. On les retrouvera dans le troisième et dernier épisode. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.